B. B. C. BBC. Bondi. 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 Blog. Café. Bondi Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondi. Ici Bondi. Bondi Blog Café. Ça y est. Oui, on vous connaît. Oh. À la télé. Non. Non, elle m'a pas appelé. Je sais pas. Non, de l'un à l'autre, ça va pas changer. C'est un autre registre. Hein. Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue plaisir. À Bondi. Merci. Vous êtes venu en RER. Oui. C'est commode, c'est rapide. C'est très bien. Alors, je vais vous débarrasser. Avance. Je vais vous débarrasser. Ah ben voilà. Ça, c'est vos documents. Ah oui. Voilà. Hop là, cadeau. Merci. Merci Claire. Je vous invite à rejoindre Allons-y. Le bar. Bonsoir Nadège. Bonsoir Nadine. Nadège, Hervé Mariton. Bonsoir Nadège. Monsieur, bonsoir. Plaisir. Merci. C'est réciproque. Alors, qu'est-ce que vous commandez, monsieur Mariton? Un Coca Zéro, s'il vous plaît. Pareil pour moi, s'il vous plaît. Deux Coca Zéro, donc double zéro. Avec une petite cuillère. Oui, monsieur. S'il vous plaît. Hervé Mariton, vous êtes député de la Drôme. Est-ce qu'il vous arrive régulièrement d'aller dans les bistrots comme celui-là pour discuter un peu avec les gens? Ah ben chez moi, oui. Ça, c'est fondamental dans la vie à la fois du maire que je suis, à Cray dans la Drôme. Merci. Et puis, dans ma circonscription. Ensuite, je le fais assez peu en dehors de ma circonscription, parce que ça ne se présente pas nécessairement. Alors, pour dire les choses, sans Merci. Être prétentieux, ouais, mais c'est un vrai sujet, la campagne pour la présidence de l'UMP aura sûrement assuré une plus grande notoriété, qui fait pour le coup... On vous connaît mieux maintenant. Oui. Et donc, aller dans des bistrots, y compris en dehors de chez moi, pour dire les choses, ça peut avoir un sens, y compris pour discuter. Donc finalement, le résultat des élections à l'UMP n'est peut-être pas finalement assez important pour vous, mais par contre, vous avez acquis une espèce de notoriété pour l'avenir. Eh bien, dans une élection, on aspire toujours à faire le meilleur résultat. En même temps, je savais que je n'allais pas être élu président de l'UMP, ça ne m'avait pas tout à fait échappé. Donc c'est vrai que cette élection a permis à la fois de poser une vision de fond, un projet sur le fond, et qu'il y a un effet induit qui est celui de la notoriété. Et donc, puisque vous me posez la question sur la fréquentation des bistrots, je pense que ça peut avoir un sens pour moi de lier davantage la conversation. En venant, je suis venu en RER, en venant tout à l'heure, j'étais un peu hésitant, parce que je n'avais pas exactement compris où était le Murat. Traversant une rue, il y a un monsieur qui a ouvert sa vitre, qui m'a salué, etc. Bon, le sujet n'est pas d'en prendre la grosse tête, mais c'est de se dire qu'il y a pour le coup une opportunité à discuter avec des gens avec lesquels on n'aurait pas discuté de manière tout à fait spontanée en bien des endroits. Donc 6,5%, c'est un bon score pour quelqu'un qui finalement était inconnu avant et qui aujourd'hui peut capitaliser sur ses quasi 10 000 voix. Oui, 10 000 voix, c'est important dans... Mais servez-vous, on a commandé un coca, on n'a rien bu. Dans la vie politique française, c'est important. Et puis, 6,5, c'est davantage que ce qu'un certain nombre de médias, de manière un peu hautaine, peut-être, me prédisaient au départ. C'est moins que ce que j'espérais. On espère toujours faire davantage. Mais la réalité, dans cette élection, c'est qu'aucun des trois postulants n'a fait le résultat qu'il espérait au mieux. Nicolas Sarkozy voulait faire un score canon. 80-85%. Oui. Bruno Le Maire voulait provoquer un deuxième tour. Il n'y a pas eu de deuxième tour. Et moi, j'aurais espéré franchir la barre des 10. On dit que c'est le maire qui était un peu gagnant, finalement. J'en sais rien. L'important, c'est que ce soit l'UMP qui soit gagnant. Vous n'avez pas dit votre dernier mot, c'est ça que vous voulez dire? Non, j'ai absolument pas dit mon dernier mot, parce que j'ai des convictions fortes. Parce que ces convictions, il faut qu'elles soient portées. Donc, je m'y colle, je les porte. Ensuite, je n'ai pas envie de tomber dans le storytelling qui fait tellement partie de la politique. Et en même temps, je suis très conscient que pour que les convictions soient entendues, il faut qu'elles soient portées. Mais est-ce que ça vous a plu? Vous étiez, par exemple, le recordman des matinaliers il y a un mois, puisque vous acceptez beaucoup les invitations. D'ailleurs, vous avez accepté assez facilement notre invitation. Aujourd'hui, si on fait de la politique, il faut de toute façon avoir une appétence pour les médias. Il vaut mieux pas être allergique, ça c'est clair. Ensuite, il faut avoir des choses à dire. Il faut aussi être diffusé assez largement. Il y a une inégalité dans cette élection, c'est que je n'ai pas été invité à un 20h de TF1 ou France 2. Ça compte. Mais vous en êtes termes prêt. De diffusion. Vous êtes prêt. Assurément, mais ils sont qui ne m'ont pas invité. Je les ai appelés, ils ne m'ont pas invité. France 2, ils ont trouvé un compromis qui était de m'inviter sur un 13h. Sérieusement, mes deux concurrents ont été invités sur des 20h et on a bien vu que ça a un impact, en particulier quand on est moins connu en amont, ça a un impact immédiat. Bon, ça n'a pas été mon cas.
J'en fais ma philosophie pour cette fois-ci. En même temps, vous pouvez vous rassurer, Hervé Mariton, vous faites 6,5%. 120 heures, c'est extraordinaire. Voilà, donc, et c'est 6,5 de voix qui sont des voix de conviction, je pense. Mais, et Manuel Valls, ça fait 6,5 aussi au primaire. Il a fait 5. Il a fait 5. Et il est premier ministre aujourd'hui, donc ça peut donner des idées, non ? L'avenir est ouvert, à la vôtre. Hervé Mariton, je vous propose très vite la conférence de rédaction du Bondi Blog Café. C'est le moment où on a dit donc aux blogueurs que vous alliez venir ici au Murat et on a abordé avec eux un certain nombre de sujets d'actualité. Alors, on reçoit Hervé Mariton donc pour ce Bondi Blog Café. Avant de débattre avec vous et donc de soulever un certain nombre de questions, on donne d'abord la parole à Gérard Leclerc pour nous donner quelques informations sur le parcours d'Hervé Mariton. Sa carrière politique, il a commencé dans sa région, dans la Drôme. Il a été élu député en 93, président de la région Rhône-Alpes en 98. Et là, il y a eu un moment un peu sensible. Il était dans un conseil régional qui a eu une majorité avec le Front National. En 2003, il rallie l'UMP. C'est un proche de Villepin et il va se retrouver au gouvernement comme ministre de l'Outre-mer. Quand les Américains vont en Irak en intervention américaine en 2003, il fait partie des rares politiques français qui soutient Bush, une droite assumée et assez conservateur sur les questions de société, surtout au moment du mariage pour tous. C'est le porte-parole de l'UMP contre le mariage pour tous. Il faut quand même remarquer que dans les prises d'opposition qu'il a prises, il y en a une qui me semble très importante, c'est qu'il se prononce pour la fin du droit du sol, pour le droit du sang, ce qui est donc pas du tout dans la tradition française, hein, et donc qui voudrait qu'il y aurait plus la nationalité automatique pour les enfants d'étrangers nés en France. Ce qu'on peut dire aussi politiquement, c'est qu'il est très à droite à l'UMP. Il propose par exemple la suppression de l'aide médicale d'État, il propose le zéro régularisation de sans-papiers, il propose une immigration choisie. Et c'est des termes finalement dans la rhétorique et dans les idées qui se rapprochent énormément de ce que propose le Front National. Par rapport aux deux autres candidats, il était moins médiatiquement présent, on va dire, et proportionnellement en fait aux moyens qu'il avait. Je trouve que rassembler 10 000 voix, c'est quand même pas mal. Je pense que le faible score d'Hervé Mariton, c'est-à-dire 6%, montre que la droite dure n'est plus si forte qu'on le pensait. Puis les thèmes qu'il aborde, l'immigration, l'abrogation du mariage pour tous, bah finalement, peut-être que les électeurs, c'est pas ça qu'ils demandent ou qu'ils recherchent. Moi, je pense que Mariton, ce serait une bonne recrue pour Nicolas Sarkozy. Parce que bon, en 2005, il avait pris quelques thèmes du Front National, cela avait réussi. Moi, en 2012, là, peut-être que si dans son équipe, il y en a un qui endosse ce rôle, ça peut être lui et ça peut lui servir pour une future campagne. Nicolas Sarkozy sort clairement affaibli cette élection parce que lui-même, il avait dit au début, pour que ce soit un succès total, il visait les 80%. Un élément qui m'a frappé et qu'on n'a pas encore mentionné, c'est l'abstention quand même à ces élections-là, parce qu'il y a eu 58% de participation. Et qu'est-ce que ça veut dire si aux élections d'un parti, pour voter pour le président du parti, il n'y a que 58%, alors que c'est déjà un public de militants qui ont la carte du parti, donc qui sont censés être impliqués. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune surprise en fait avec Sarkozy. Il fait la même chose que ce qu'il a fait avant. Il est populaire auprès des gens chez qui il était populaire avant. Il y a très peu de changements dans sa rhétorique, dans sa popularité, etc. Là, il fait le score qu'il fait auprès du même électorat qu'en 2012 et qu'en 2007, en fait. Et il est aussi clivant qu'avant. La posture du sage, elle n'a pas marché. Enfin, c'est du Sarkozy comme on a l'habitude. Et je trouve que les médias, enfin, il y a des gens que ça excite et que ça intéresse et que ça stimule, etc. Mais en fait, politiquement, bah, enfin, c'est un non-événement. C'est juste de la continuité. Alors voilà, Hervé Mariton, quelques mots, notamment sur, finalement, le fait qu'il n'y ait rien de nouveau. Après quasiment 2 ans donc de présidence Hollande, on a de nouveau Nicolas Sarkozy qui est à la tête de l'UMP, que tout le monde se prépare à 2017, qui sans doute rejouera le même match que 2012. Ça, il faut voir comment les choses évoluent dans les semaines ou les mois qui viennent, mais si ça devait être comme vous le décrivez, ça serait assez mauvais. Il est important à la fois qu'il y ait un centre d'énergie nouvelle, il est important que des hommes ou des femmes démontrent à la fois un somme de constante et des changements. Mais Sarkozy représente tout ça aujourd'hui à l'UMP ou pas ? Et puis, il faut aussi à la fois des idées très, très fortes, très solides, mais un somme d'innovation et d'idées nouvelles aussi. Sarkozy aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que Nicolas Sarkozy est manifestement assez prudent dans le démarrage de sa prise de responsabilité à l'UMP. Ça ne dit ni d'un côté ni de l'autre, ni que ce sera extraordinaire, ni que ce sera très mauvais. Je ne sais pas. Il y a d'évidence aujourd'hui une volonté de prudence. Tout ça ne dit rien de l'avenir, mais il a manifestement compris, ce qui est déjà ça,
c'est qu'il ne pouvait pas arriver à l'UMP en imposant des choses dans n'importe quelle condition et sans prendre de quelconque précaution. Donc il prend des précautions. Alors vous terminez votre Coca Zéro, merci, dans lequel il n'y a plus un sucre puisque vous avez tout évacué, et puis donc on ira rejoindre tout de suite les blogueurs. Hervé Mariton, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes député UMP de la Drôme et maire de Crest. C'est une petite ville, donc... Cray. On dit pas Cray. Superbe petite ville. Vous êtes bienvenue. Très bien. Toutes et tous. On fera un bondi blog à Cray, alors. S'il vous plaît. Avant de démarrer cette émission et de vous faire regarder un peu l'édito, je voudrais d'abord vous montrer une photo de vous à l'âge des blogueurs qui sont en face de vous. Voilà. Ben oui. Ça vous dit quelque chose, voilà. Oui, ça dit très bien que vous voyez c'était sur la photo. Quand c'était quand c'était en 1985, une campagne cantonale. J'avais 26 ans à l'époque. En fait, on change d'allure physique. On change parfois de voix. Hein, on ne se refait pas, je ne conteste pas mes origines. Très bien, merci en tous les cas beaucoup d'être venu. Je vous présente rapidement les blogueurs. Bala Fofana en face de vous, Charlotte Cosset qui est au milieu et Idir Hossini. Bonsoir. Donc ils sont donc les trois blogueurs avec le reste de l'équipe du Body Blog qui ont préparé ce magazine. Avant de démarrer, donc d'ouvrir un certain nombre de dossiers ensemble, je vous propose d'abord l'édito de Leïla Rouyel et ensuite on réagira sur tout ça. Monsieur Mariton, vous étiez de toutes les manifs pour tous. Votre visage nous est devenu familier, presque banal. Des trois candidats à la présidence de l'UMP, vous étiez le seul à vous être prononcé pour l'abrogation de la loi Taubira. C'était votre originalité, jusqu'à ce qu'un certain Nicolas Sarkozy s'approprie l'idée à son tour, sous la pression des militants. Quand on dit qu'une loi est réécrite de fond en comble, bon, si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, mais ça veut dire le même résultat. Dans cette course à la présidence, vous faisiez figure de poids-plume face à Bruno Le Maire et à l'ex-président, grand gagnant sans surprise de cette élection. Cette bataille, une de plus à droite, n'est pas belle à voir. Elle ravive la guerre des chefs et d'égo. À croire que l'UMP n'a rien appris de l'affaire Copé-Fillon. Petite phrase, dérapage, huée, polémique, encore et toujours. Le pays a besoin d'unité, dites-vous. Mais la classe politique n'est pas capable de montrer l'exemple. Rassemblement, renouveau, changement, au fond... Plus personne n'y croit. La droite est plus que jamais divisée et le Parti socialiste n'a de socialiste que le nom. Les électeurs dans tout ça, ils assistent médusés au grand cirque. Le problème des partis, à droite comme à gauche, c'est qu'ils n'ont plus d'idées. Ils n'apportent pas de réponse aux préoccupations des Français. Il en a une qui l'a bien compris, même qu'elle en profite et surfe sur la vague. C'est Marine Le Pen, réélue à 100% des voix à la tête du Front National, un score digne d'un dictateur nord-coréen. La route vers l'Élysée lui semble toute tracée, et avec elle dans son sillage, la fin d'un bipartisme vieux de 60 ans. Au lecteur, mesdames et messieurs, l'histoire n'est pas encore écrite. Acte 2, en 2016, Sarko-Juppé à droite, Hollande-Valls à gauche. Le spectacle n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, c'était donc l'édito de Leïla Rouyel. Quelques réactions, Hervé Marie. C'est tout le contraire de ma vision de la vie politique. Je refuse d'assimiler la politique et l'engagement public à un spectacle. Je refuse de... trop concédé au storytelling. Alors en même temps, je me rends compte, et cette campagne a aussi été une leçon pour moi, que quand on fait campagne essentiellement, fondamentalement, sur des convictions, eh ben, c'est assez compliqué de faire 80% des voix, et je me retrouve avec 6,5. Et pour autant, je n'ai pas envie d'aller trop loin dans le compromis. J'ai entendu Léla parler de cirque. Pour moi, la politique, ça n'est pas un spectacle. Pour moi, la politique, ça n'est pas un cirque. J'ai toujours défendu un socle de conviction bien établi. Justement. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, oui, concrètement ? Libéral sur le plan économique, conservateur sur les questions de société. Et ça dispense comment on fait pas le grand écart entre un libéralisme sur un plan économique et un conservatisme social, puisque le libéralisme, c'est une sorte de progrès ? Mais être conservateur sur les questions de société, ça peut aussi être une dimension de progrès. Quand je considère que la famille est importante dans la société, qu'il est important de conserver un ensemble de structures de la société, c'est aussi une manière d'aider à faire face aux défis et aux difficultés du monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens comme vous qui me disent qu'il y a une espèce de contradiction, si on prend des mots savants, un oxymore, entre être libéral et conservateur, qu'on ne pourrait pas être libéral et conservateur à la fois. Je Est-ce crois que justement, si... vos 6% ne reflètent pas le fait que les gens n'ont pas compris votre grand écart? Non mais pour moi, il n'y a pas un grand écart. Pour moi, il y a une conciliation de deux idées qui vont très bien ensemble. Ensuite, est-ce que tout le monde l'a compris encore? Probablement pas. Je pense qu'il y a toute une partie de la presse, probablement aussi des militants de l'UMP, qui m'ont défini dans la seule idée
de la défense de la famille et de la critique de la loi Taubira. Mon projet politique va bien au-delà. Monsieur Martineau, vous n'aurez pas pu prendre ces positions si vous n'étiez pas outsider. Si vous aviez une élection à gagner, si vous étiez en position de pouvoir la gagner, jamais vous n'aurez pu... Mon identité politique... Est-ce que ce n'est pas des calculs politiques? Non, ce n'est pas des calculs. Non, mon identité politique, je l'assume, y compris quand je suis confronté aux électeurs dans la Drôme, dans ma bonne ville de Cré, ou dans ma circonscription. Je suis député d'une circonscription que j'ai gagnée sur la gauche. Vous savez, j'ai été réélu en 2012 à 51% des voix, parce que c'est une circonscription très difficile. Il m'est arrivé de perdre, au moment de la dissolution en 97, j'avais fait 49%. 49% dans une élection, on perd, 51% on est élu. Au municipal, il y a des journalistes locaux qui disaient « Oh là là, Mariton, il est plutôt bien vu par les gens du coin, mais compte tenu de ses positions sur la loi Taubira, il va morfler ». Eh bien non, les gens assument quand on est clair. Ce n'est pas du calcul politique, mais aujourd'hui, vous faites partie du bureau politique de l'UMP. C'est un pari gagné. Ce n'est pas le Nirvana. Honnêtement, très vous franchement... Vous crachez pas un peu dans la soupe en disant que ce n'est pas le Nirvana? Non, je ne crache pas. Je crache pas dans la soupe. J'étais délégué général chargé du projet avant. Donc, pour quelqu'un qui a été candidat à une élection, qui fait 6,5% des voix, il y a une certaine logique à être... Monsieur Le Maire ne fait pas partie du bureau politique? Si. Nous avons été candidats. Quand on est candidat à une élection et qu'on perd, on a perdu. Ça ne donne pas des droits extraordinaires, mais ensuite il y a une logique. La logique, c'est qu'on soit dans les instances collectives de décision du parti. Le bureau politique, la commission d'investiture, c'est le cas et c'est normal. D'une certaine manière, ça va de soi. Ensuite, je n'étais pas candidat à une position hiérarchique au sein de l'UMP, parce que le fait d'avoir été candidat et battu à une élection ne donne pas de légitimité pour, et que par ailleurs, je n'ai pas envie de me retrouver sous les ordres de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous rêvez d'un destin national, vous, monsieur Mariton? Mais tout dépend comment vous l'exprimez. Je viens de vous expliquer que je suis... La réponse est simple, oui ou non. Vous voyez avoir un ministère ou même exercer une fonction plus haute? Attendez, vous avez utilisé des mots, je veux y répondre. National, oui, je suis député. Dans le gouvernement, gouvernement. Mais j'ai été, même brièvement, membre du gouvernement de l'Outre-mer. Et j'ai essayé de faire du boulot utile à la tête de ce ministère, même sur une période assez brève. Je pense être de ceux qui proposent quelque chose de cohérent. Et je n'ai pas vu la même cohérence chez mes concurrents. Nicolas Sarkozy, on le connaît. Bruno Le Maire a fait campagne sur le thème du renouveau. Je suis un peu plus exigeant sur ce qu'on met dans l'intérieur. Ça n'a pas fait de majorité, j'ai vaguement compris. Aujourd'hui, tout le monde est passionné par le fait qu'à l'UMP, on met en place une instance pour préparer les primaires présidentielles. C'est important de choisir le candidat à l'élection présidentielle. Mais je pense, et ce que je vais dire au bureau politique de l'UMP, c'est qu'à côté de l'énergie que l'on met pour choisir un candidat à l'élection présidentielle, c'est aussi important de mettre de l'énergie pour savoir ce qu'on va proposer aux Français. Pourquoi ça va servir les Français que, par exemple, on supprime le droit du sol, le bénéfice du droit du sang? Parce qu'il y a une question d'identité qui est extrêmement importante. Ça fait 500 ans que ça existe, le droit. Non, c'est faux. Ça ne fait pas. Non, d'abord, ça ne fait pas 500 ans. En plus, c'est un sujet qui est abordé dans différents pays de notre planète. Il y a une expression intéressante aussi utilisée par d'autres, qui est celle du droit de la volonté. Il y avait eu, dans les années 80, un certain nombre de débats et de choix là-dessus qui amènent à considérer, par exemple, qu'une personne née de parents étrangers sur le territoire national ne doit pas devenir français sans en avoir exprimé la volonté. Donc on ne devient pas français par hasard. Mais c'est comment vous vous situez, vous qui êtes né en Algérie, d'une mère juive, dont vous avez appris la religion, comment vous vous situez? Vous êtes entre deux continents. Est-ce que vous méritez de ne pas être français parce que vous n'y êtes pas né? Mais c'est une remarque que j'ai faite à Éric Zemmour quand il parle des juifs français et des juifs étrangers. Et je lui ai fait la remarque, mais fais attention parce que nos parents, à l'un à l'autre, à un moment, pendant la guerre de 40, ont perdu la nationalité française parce que Vichy avait abrogé le décret Crémieux. De Gaulle a d'ailleurs mis beaucoup de temps à le rétablir. Ce qui est très fort auprès d'un certain nombre de nos concitoyens, et je suis de cette filiation-là, et beaucoup d'entre nous en France, heureusement, c'est une volonté très forte d'adhérer à la nation, quelles que soient nos origines. Mes origines ne sont pas complètement gauloises, c'est clair, les vôtres non plus. Eh bien, il y a chez nombre d'entre nous, heureusement, une volonté très forte d'adhérer. Alors, on va poursuivre, si vous le permettez, Hervé Mariton. Beaucoup de sujets, bien évidemment, seront mis sur la table tout au long de cette émission. Je voudrais d'abord que l'on revienne sur la loi Taubira pendant donc cette campagne pour l'élection donc de la présidence à l'UMP. La question s'est posée, faut-il abroger la loi Taubira? La même question a été posée aux jeunes du Bondi Bloc. Je vous propose de regarder cela et après de réagir. Je pense qu'il faudrait commencer à comprendre que
Il faut sortir de nos idéaux romantiques et se mettre un peu au niveau des autres pays européens. Il y a plein de pays pour qui le mariage pour tous est autorisé depuis belle lurette. Et je pense qu'il faudrait que la France commence à grandir un peu et à se mettre au niveau de tout le monde, quoi. Les partisans du mariage pour tous disent la France est un pays moderne, donc il faut légaliser le mariage pour tous. Mais je tiens à rappeler que je crois qu'il n'y a même pas... Il y a 15 pays dans le monde qui aujourd'hui ont légalisé le mariage pour tous, de un. Puis moi, quand j'entends des hommes comme Pierre Berger qui dit que les gens qui sont contre le mariage pour tous sont des nazis, je me dis qu'on confond un peu tout. Non, il y a des jeunes, il n'y a pas que des consanguins, il n'y a pas que des militants du FN qui sont contre le mariage pour tous. Il y a juste des gens qui se disent qu'il y a un homme et une femme qui font un enfant et ils ne veulent pas casser ce modèle. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le mariage, qu'on est contre les gays, ça veut seulement dire qu'on a une vision de la société, c'est tout. Monsieur. Alors, question de Charlotte. Monsieur Mariton, donc vous êtes pour l'abrogation de la loi Taubira. Oui. En 2013, 7000 mariages gays ont été célébrés. Qu'est-ce qu'on fait si on abroge la loi? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens? Mais je l'ai dit, on ne va pas démarier les personnes mariées. On fait les choses en respect des personnes. Et donc, les mariages réalisés sont des situations que je n'ai pas l'intention de toucher. C'est une question de respect élémentaire, c'est aussi une question de droit. Ensuite, je crois que dans ce qu'on vient d'entendre à la conférence de rédaction, les choses ont été dites. Mais ça ne posera pas de problème pour les gens à venir se dire pendant un temps ils auront eu le droit de se marier, aujourd'hui on n'a plus le droit. Mais qu'est-ce que vous faites du sentiment d'injustice en fait? Mais quand il y a un changement de droit, vous avez toujours les personnes qui étaient dans une situation juridique avant le changement de droit et celles qui sont dans une situation juridique après le changement de droit. L'élément fondamental. Mais vous pensez que la société française peut revenir en arrière? Je pense que oui, je dis simplement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On disait ça aussi avec le Pax. Le constat. Oui, mais on n'a pas fait le choix de revenir dessus. Non. Ensuite, en démocratie, on peut faire un choix différent. Je dis simplement, on voit de manière persistante dans les sondages qu'il y a en France une majorité de Français favorables au mariage des personnes de même sexe et une majorité de Français défavorables à la filiation. Et ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le mot « mariage » va avec la filiation et que la filiation va avec le mariage. Est-ce que vous n'agitez pas une peur, justement, en disant que c'est « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Est-ce que c'est pas ça quand vous parlez de la filiation? Je dis qu'il est mieux pour un enfant de bénéficier a priori de la filiation d'un père et d'une mère. Bien sûr, mais ensuite, aujourd'hui, il y a les circonstances de la vie, il y a femmes seules qui ont un enfant, un des parents peut décéder, des parents peuvent divorcer, les circonstances de la vie. Mais une chose est de répondre aux circonstances de la vie, une autre est de construire un modèle de société dans lequel aujourd'hui, on c'est considère un comme fait. Ordinaire. Aujourd'hui, c'est un fait. Il y a beaucoup d'enfants dans les couples gays. C'est un fait. On ne peut pas revenir aller contre. Qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants? Ils restent dans une situation totalement de flou dans la législation. Non, attendez, je le redis, mais ça, je crois en effet que c'est des choses qu'on n'a pas bien passées dans le débat en 2013. Et Dieu sait qu'on en a parlé enfants, il y a des réponses juridiques aujourd'hui. Elles peuvent être améliorées. Ça s'appelle la délégation de l'autorité parentale pour permettre aux conjoints d'exercer une autorité. Ça s'appelle même, si un des parents décède, l'adoption testamentaire. Et donc, ces enfants ne sont pas en dehors de tout cadre juridique. Mais il n'y a pas plus urgent en France que de revenir sur le mariage gay? Oui, il n'y a pas d'autres combats. Mais si, il y a...